La journée, le but, c'est que tout le monde en profite. Et voilà, il y en a qui vont en profiter en highline, d'autres en basse, d'autres... Ce côté-là, il y a des câbles. L'highline, elle sera plutôt par là, d'accord? Ouais. Putain, je savais pas qu'on avait autant, quoi. 12. Il y a une cabine qui est là. L'autre, elle est là-haut, elle sert à rien du tout. Normalement, Simon, il est là non-stop, ouais. Si vous avez les crampons, vous n'avez pas les crampons? Non. Et on arrive sur un nouveau site, sur une nouvelle falaise, ou là, sur le téléphérique. On découvre tout le vide qu'il y a, on découvre ce nouveau paysage. Le gaz, quoi. On découvre vraiment le gaz qu'on a sous nos pieds. Mais par contre, dès qu'on pense non plus au vide, mais à ce qu'on doit faire, là, j'ai l'impression que la peur s'estompe et le brouillard un peu se dissipe et on voit plus que ce qu'on a à faire. On note, on fait un relevé ou quoi? Deux poulies, une de chaque côté. Comme ça on peut le déplacer où on veut quoi. Nous on a toujours cette peur qui est là et c'est important. On l'a déjà quand on arrive sur un spot comme ici. Je commençais vraiment là que très récemment à ne plus trop avoir peur avant de sauter, quoi. Il y a souvent des oiseaux et c'est vrai que moi ça, personnellement ça me fascine. Vraiment leur facilité à se déplacer dans l'air et à jouer avec le vent et tout ça. On va tout dérouler depuis la cabine et la cabine, une fois qu'elle sera rentrée au Taoulet, nos cordes traverseront toute la vallée de la Picarde jusqu'au Taoulet. Donc voilà, on va se servir de la cabine comme d'une sorte d'ascenseur quoi, horizontal, duquel on va vraiment décharger toutes ces cordes dans le vide. Et je crois que c'est le premier projet où on a eu autant de temps consacré à la préparation, quoi. Vraiment, c'était nouveau pour nous et pour moi, on a relevé un challenge humain vraiment fort, quoi. Une équipe fantastique, pleine d'enthousiasme, qui n'a jamais rien lâché.